Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne du Palais des Saveurs. Aujourd'hui, je réalise un magret de canard en croûte d'épices et de miel. Je commence par quadriller le côté peau, mon canard, mais c'est toujours côté peau que je vais le cuire pendant environ 10 minutes sur feu doux. Pendant la cuisson du magret, je réalise la croûte. Pour ceci, je viens mélanger le pain d'épices que j'ai mixé avec la demi-cuillère à café de 4 épices. Au bout des 10 minutes, je retourne ma viande et je poursuis la cuisson 4 minutes. Je récupère mon magret, je le dépose sur un plat qui va au four, je le badigeonne de miel. Je répartis par-dessus la chapelure de pain d'épices. Puis je place ce filet de canard sous la grille du four 1 à 2 minutes. Je laisse reposer ma viande avant de la trancher et de la servir dans les assiettes. Voilà une viande saignante à souhait, comme elle doit l'être. Très parfumée, très odorante. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit et à vous dire à très bientôt sur la chaîne du Palais des Saveurs. Au revoir.